Quand il groupe un criminel, moko, naba minduki et loko baninga basala, tu y habites. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça me dit pas quoi. T'es éclairci sur le sujet. Aux autres, pour y répondre, on a mis tout. Non, c'est pour te dire que Moutou, il fallait pas kangane Moutou à l'obéir bangamboan. De nani? Non, mais tu y aucun qui honorable. Caméra, Isaki, caméra, Isaki, n'atterrit. Caméra, ma solo en boucle. T'es honorable député Mokonde à l'obaki. Comment de nani? Non, gana, batu yosu walandieti. Honorable Jean-Charles Okoto, ngayi na yoki ya muna mnuko na ye. Alo vini? Kye bakanga ki batu, moko buye naba arme, mkulu baye, mkulu wana chef de l'état ayaki. Alors, moi je dis, mais c'est mutalibusu ya kukanga ye wana, pour que alakisa batu wana. Donc, yosa na posa bakanga honorable Jean-Charles Okoto? Non, je dis, non, tu me poses une question, ce n'est pas que je n'en pose ça. C'est pour des raisons de sécurité. Au passage du chef de l'état, il y aurait quelque chose qui va se faire au Sankuru. Ce n'est pas seulement dans le caractère matériel ou à Tonga, mais ne fût-ce que l'aspect conflit. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait, le chef, du fait qu'il n'a pas passé nuit à Lodja et qu'il est allé passer nuit à Tchoumbe, a créé encore des imaginations négatives. Là, on a peut-être moins de suspect. Oui, oui, des imaginations négatives pour certains. Au bas, publié déjà un ouvrage en disant que Tchoumbe est capitale du Sankuru. Oh. Oui, je te dis. Et ça crée maintenant une frustration, un contraste entre ceux qui sont du côté Lodja, Kole, Lomela, Lusambu, qui sont venus l'attendre à Lodja, et ceux qu'il avait reçus à Lusambu, à Tchoumbe. Parce qu'il a reçu des gens à Lusambu au moment où tout le six territoires l'attendait, était reçu, ne fût-ce que la notabilité de son courroux l'attendait à Lodja. Donc le président a encore créé une fissure entre le fils du Sankuru. Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Napisi bino mbote mingi balande emission Masolo Yamboka. Masolo Yamboka, moko ya emission na bino bolingaka mingi. Emission na bino ezalaka wana pona kopesa bino aktualite nyonso ya mboka na biso. Mboka na biso ezali kokende ndenge nini. Na makambo oyo ezo dérangé tout tungi sabatu mingi likambo etsali ya IDPS ya Jean-Marc Kavun to kolobela ngona kati ya mission na biso ya lelo na invité na biso. Invité na biso ya lelo abengami na kombo ya maître Armand Lokeka Okito. Et sali moi mikolo ebele abando le ka susu te na plateau na biso te to retourner et pourquoi moi absence ebele na plateau na biso ya masolo mboka. Maître Armand Lokeka, bonjour. Bonjour madame. Boni maître. Non kimia. Pourquoi moko yena au sepela moko oyebisa bango qu'est-ce qui s'est passé pour bungana na media bo? Non, obosa na kinengai. Ba mikole pele obando benga susu te obandi ko invité ngate. Et puis aussi nazala ki na ba déplacement mike vers la fin de l'année, mais là je suis déjà là na zombi. Avant de kota na masolo na biso ya lelo na ko préférer na to lobela na likambo ezan actualité mike aux autres sa peuple congolais point de vue na ezani concernant likambo Jean-Marc Kabou. Bon, mon point de vue, c'est non-événement, c'est la situation qui concerne un parti politique ne peut pas en fait influencer ou bloquer le fonctionnement normal de l'institution Mboka, puisque nous avons plus de 700 de 800 partis politiques et les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale n'émanent pas d'un seul parti, pour autant que si un seul parti est à infecté et ça bloque le système. Non. Le problème pour nous Congolais, c'est puisqu'on est tantôt distrait, on ne débat pas souvent sur ce qui est plus essentiel. Mais on débat, on prend l'actualité sur ce qui peut être le plus inutile possible. Hein, la radiation d'un membre ou d'un cadre du parti, de son parti, n'est pas une situation qui nous surprend. Ou l'exclusion d'un membre de parti, ce n'est pas ce qui nous surprend. Nous en avions connu déjà dans ce pays plusieurs cas de pareil. Donc la situation de Jean-Marc Kabound, pour moi, je trouve que c'est un non-événement par rapport à la situation du fonctionnement des institutions et à Mboka na Biso. Deuxièmement, il est vrai que Jean-Marc Kabound, c'est un haut cadre du parti, de l'UDPS, qui s'est battu durant son temps. Et il n'est pas le seul à se battre. Nous avons vu dans l'histoire à IDPS, Batu Bélé, Babundi na IDPS, Makas, mais Batika pe IDPS, Bakenda, Basala pe vie na Bango, Lulenge, Oyo, destiné politique na Bango, et Sengeli Bazala.
Donc, Kulungwanaye na parti, ou bien Ndenge ba Longole na parti, ils allaient tout simplement encourager pour qu'ils puissent aussi tenter la chance de voir direction, il y a destin, ou il y a destinée politique naye, ils ont Ndenge. Peut-être qu'ils allaient pour n'ayez des pèses KKT, mais c'était une porte d'entrée. Mais maître Armand Loké, quand on a des places où on a moins risqué, ils allaient parce que Aza parmi ba tête, oh bah évidemment déjà bah secret nous soyons ya IDPS, bah évidemment ni ma cambouya président Zotan, on a dit que ça, ça risque. Aza vous tu allez vous sauter à quoi bah secret IDPS. Un parti n'a pas de secret. Quel secret vous pensez dans un parti à part son règlement et les statuts? Secret ni une idéologie. Mais tout le monde qui est passé par là connaît l'idéologie de l'IDPS. Tout le monde qui est passé par là peut connaître le règlement et le statut de l'IDPS. Alors, quel est le secret fondamental? Que les gens nous disent quel est le secret. Même s'il avait participé, selon ce que nous attendons dire, na accession du chef de l'État au pouvoir, ça ne lui donne pas le pouvoir de se faire que Yende a commis un monopole et un secret. Parce qu'à qui coupé, ça va congolais, ce secret, nous allons nous fâcher contre lui. Pourquoi quand les Londres ont eu ce secret? C'est que pour dire qu'aujourd'hui, il n'a rien. Il n'a aucun secret à nous donner. Et Azan est là pour nous dire que non, écoutez, je vais vous donner les secrets. Le Lingeni Félix a commis le pouvoir. Il ne peut pas nous, il ne peut même pas oser le dire. Puisque ceux qui ont Linga Loba, au lieu à se limiter qu'on a promis un parti, il aura des problèmes avec tous les Congolais. Pourquoi il y a un bon secret Puisque ce parti l'a beaucoup aidé, comme lui aussi a aidé le parti. Donc le problème, c'est qu'il n'a pas perdu. Le parti non plus n'a pas perdu. La même façon que le parti l'a aidé, la même façon que lui aussi a aidé le parti. Donc moi je ne pense pas qu'il a un secret. Jean-Marc Kabound a un secret qu'il garderait ou qu'il avait pour l'UDPS ou pour le pouvoir actuel. Je ne pense pas qu'il a un secret. Il faut carrément dire et considérer que Namutu Naye n'a aucun secret à dévoiler. Et tout ce qu'il va tenter de nous dire, c'est un mensonge. Automatiquement, c'est des mensonges. Puisque dans l'état normal, autre qui doit croire dans le secret, il ne l'a pas dit. Pourquoi venir seulement dans l'état où il a commis les lots vexés, a commis les lots injectés du parti, qu'il viendra nous dire que non, j'ai un secret. Il n'a aucun secret. Merci beaucoup, Maître Armand Loké. Tout le monde a dit que nous sommes en train de descendre. Il y a chef de l'état qui a quitté la province de Bango et Sankourou. Tout le monde a dit que nous sommes en train de se faire. Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Masolo Yamboka. Voilà, maître Armand Loké, wana outu komo na yombo bilili, chef de l'État, akita ki pana bijou. Mais le comme aussi batu, à 45 minutes d'atterrissage à chef de l'État. Boyo kaneza la kité entre bino na bino. Na ebite soki ozaki na terrain okoyeb sa biso à 45 minutes na aéroport. Atterrissage chef de l'État, Toyoki, Boyo Kanezala qui était entre Bino et Bino, Bato province à Sankourou. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, malheureusement, Nganazala Kate, Jourouana, Nganazala qui avant chef Akuma. Et donc, vous avez quitté... équipe d'avance? Non. Je suis parti à Lodja pour voir ma famille, voir ma base. Et j'ai quitté Sankourou le 23 décembre. Et pour laisser la place à ceux qui devront aller pour préparer son accueil.
Moi, je ne voulais pas y participer puisque c'est comme si je voyais en distance et en loin ces désordres-là qui seraient organisés par ceux qui recherchent ou ceux qui sont en quête de leadership dans Sankuru. Parce qu'il n'y a pas un combat de fond. Le combat est superficiel pour quête et leadership. Ngaïnde, il faut nous aller devant. Ngaïnde, il faut nous aller devant. Alors, je ne sais pas comment trois personnes peuvent être tous devant. Or, devant, ça veut dire qu'il y a un qui doit être devant et les autres accompagnent. Si vous voulez tous être alignés, automatiquement, soit dans l'horizontal, soit dans le vertical. Donc, jamais, Batumi, Balemi, Satubakouzala, guide, il y a une équipe. Il faut qu'il y ait un guide et les autres sont en train de soutenir le guide. Mais au Sankuru, c'est le contraire. Bangounyo, Subalingi, Bazala, Balide. Au même moment. Non, je n'ai pas été là. Mais moi je ne lutte pas pour être leader. Je suis né leader. Et je suis dans l'aura de l'apprentissage du leadership. Non. Pourquoi je le dis? Je le dis, il y a ceux qui font la conquête de devenir leader. Moi je ne fais pas cette conquête là. Nabundakate pour devenir leader. Vous êtes bundaka pour comme gouverneur? Non. Non, gouverneur de province, c'est quelque chose que l'on peut réfléchir un instant et la population te dit viens et puis tu viens. Tu vas l'être. Chez nous, pour être gouverneur, c'est une chose où tu dois. Il faut ouvrir nos relations à la nature. C'est comme une opportunité. Alors, dossier Wana, il y a des autres là qui n'a présence à chef de l'État. Ça a commencé par. Vous pouvez vous imaginer, je vais vous donner une analyse. C'est à Lodja où nous avons le vice-premier ministre chargé à sécurité. Le VPF. Ok. Nazuka à sécurité. Et que police tout est aillé. Il était sur place. Même si ça ne lui revient pas à accueillir le chef de l'État, mais ils ont revenu dans le gouverneur de province à accueillir le chef de l'État. Puisque le chef de l'État a dit que vous allez accueillir le gouverneur. Le malheur est que notre gouverneur était ici. Tant que mon conseil de déjà programme à Rukitakuna, accueilli précipitamment, peut-être quelques jours avant d'arriver à chef. Gouverneur a bien intérim. Non, tout d'un gouverneur intérimaire. Monsieur Tchabilo. Ok. Mon commandant est Sakenda. Donc, à Komimbango, à côté déjà, ma tractation est dans le terrain, ma députés nationaux, ma membre du gouvernement. Problème, nani a kuvanda wapi, nani a kuyambaye, tout ça, ils ne se sont pas accordés sur le principe. Attendant que le gouverneur a récupéré, ma solution a kuyamba mukonzi mboka, des ordres qui sont déjà installés entre le membre du gouvernement, les députés nationaux et d'autres cadres, il y a Sankuru. Pourquoi? Puisque il ne peut pas aller chez l'autre, alors que ne vende pas oyote, il faut que ne vende pas oyo. Tant que tu kuyambaye, nani a kutanga memo. Oyote, il faut les aller oyo. C'est en fait l'ordre de chez nous. Puisque, Bissot, Tondi Manakate, les Sankurois, Bandi Manakate, ceux qui ont dit que Yolo za souple, Yako Tangila Bissot, français malam, que Mouto Nyosa Kouyoka, Ayoka, que français, on est bimi proprement. Moi, Tondi Mayok, yo yébi français, Ezate. Non, c'est pour te dire que. Toujours quand il s'agit de ce qui est organisation, il y a un mandat. Or, il y a un mandat de député. Personne n'est allé au-delà du mandat de député. Personne n'est allé au-delà de fonction de ministre. Personne n'est allé au-delà. Alors, comment nous devons nous battre sur un poste de député et un poste de ministre? C'est uniquement sur ça que le Sankuru meurt. Tout le cadre de chez moi, personne ne fait un combat pour devenir au-delà du ministre. Personne ne fait un combat pour devenir au-delà des députés. Or, par exemple, le cas du Sankuru. Si nous avons 14 députés nationaux, c'est-à-dire, au-delà des députés, il n'y a personne. Mais ils sont en train de se battre. C'est à cause de ça que le problème se pose. Moi, je dois être plus que l'autre. Moi, je dois être plus que l'autre. Et le plus que l'autre, il serait le chef de l'État. Il a une image de Moussou sur Sankuru. Jusqu'à la dernière minute, chef Albaïga Koutana Sankuru, on a 10 heures. Rapport Ibani Kobima à sécurité lui disait que Sankuru est en insécurité, Makasi. En plein discours, chef de l'État Zoloba.
kuna eto yoki bakangi batuna ba minduki bakangi groupe ba criminel moko na ba minduki eloko balinga basala to yebite qu'est-ce qui s'est passé ba sambi bango te éclaircir biso yo ozana pour répondre na mituna non c'est pour te dire que mutu il fallait ba kangane mutu alobi bakambo wana nde nani non mais tu es honorable caméra Isaac caméra Isaac na terre caméra masolo mboka tu honorable député Mokonde Alubaki comment ne nani non gana batu sur la ndiete honorable Jean Charles Okoto mais ngai na na yokia mona mona konaye allo bini ke bakanga ki batu moko boyena ba arme mokolo baye mokolwana chef de l'état ayaki. Alors moi je dis mais c'est mutali bosu ya kokanga ye wana pour que ala ki sabatu wana. Donc yo za na posa bakanga honorable Jean Charles Okoto. Non je dis non tu me poses une question c'est pas que je n'en pose ça c'est pour des raisons de sécurité. Tu m'as posé la question, je réponds à ta question. Parce que pour des raisons de sécurité, on ne peut même pas suspecter attentat contre le chef de l'État. On peut même attaquer au Kanisa Namutu. Et quand quelqu'un parvient à l'Ukulubana média, que Bakangaki Batumoko, Bayaki Naminduki, le moment où le chef de l'État était là, na Lodja, il faut mutuana d'abord au Bakangiye, à la Kisabiso Batuana, et si Kanin y est à Tiaki Bango, puisque apparemment il a été au courant et puis Aibi Batuango. Et ceux qui battent Bazate, automatiquement, il faut qu'il y ait à comparaître. Puisque ça ne suffit pas, il y a côté qu'à très mauvais le milieu. Puisque Koulobaka a l'Odja insécurité Zali, l'Odja insécurité Zali. À l'entretemps, il y a aussi moins à l'Odja. Et ça, il y a six territoires mobiles. Prenons l'hypothèse que ces gens-là, quelqu'un ne peut pas quitter de l'Omel avec une arme pour Kotatina. L'Odja, c'est au moins très loin. 250 ou 300 km. Des Kole non plus, c'est trop loin. Des Lougafou, de Katakou, c'est trop loin. De Loussam, c'est trop loin. On suppose, sous prétexte qu'ils ont bateau, ils ont nakouana, ils ont facilité, ils ont une arme pour que Babi Misango facilement. Et toi, quand tu sous les bateaux, ils ont bateau quartier essence. Comme déjà quartier, ils allaient identifier, c'est-à-dire qu'il y a pas eu bateau. C'est ça que je dis. Quelqu'un qui vous dit que bateau, ils ont bateau quartier essence, ils ont une arme. C'est-à-dire qu'il y a un moko, il y a un quartier, il y a facilité qu'il y ait un bateau. C'est pourquoi nous disons, pourquoi étant Nabiso est irresponsable jusqu'à ce niveau. Quelqu'un qui est en train de suspecter, même penser, ou dénoncer attentat contre le chef de l'État, mais il est libre. Bokangi a dénoncé. Aye Sibiso Batouana y a essence, ou Anabaza, ou Ape. Ape Sibiso adresse Nabango. Ape Sibiso, Nani a Kangaki Bango. Service au Kangaki Batouana, et puis va libérer Batouana. Service au va interpeller Bango. Est-ce que Batouana Bazana a cachoté les lots, ou bien va libérer Kibango? Toyokaki quartier essence, quartier Oyo. Mende azakana ba criminel toyokaki parce que caméra ya masolo mboka ezaki na temba bige quartier wana za quartier oyo mwana mboka Lambert mende azakana batu na yekuna. C'est comme on peut dire aujourd'hui que batu nyonso bakumbaka moto baza batu de pèse. En réalité c'est faux, en réalité c'est faux, mais plus que 80% baza baluba et on pense que tous les loubas sont de l'huile de pèse. Na essence plus que 80% d'habitants sont de Kondochumbe et on déduit impérativement qu'ils sont de la CCU. Je ne prends pas dans vos apologies à CCU Awate, dans un militant à CCUT, mais néanmoins, ils ont analysé à l'Okuta. Maître Herman Lokeka, pourquoi Kaka na province Nabino, arrivé à chef de l'État, et Zaki Moma Kamoubilinga Bilinga, Kaka Bino Wana Bakangi, Batu Naba Mindougi, Kaka n'arrive à chef de l'État. Mais elle est comme sous. Et Zalokuta. Obisoto Sepela et Nangote. Et Zalokuta, et puis honorable Jean-Charles Okoto doit répondre de ces faits. S'il ne le répond pas sur le plan national, il répondra sur le plan de la base. Puisque Eza m'a bé d'autant plus que tant que vous avez fondé un cannabino, vous avez un cannabino, vous avez mis en phase où vous avez un criminel. Et puis vous avez doit être quartier. Vous avez un quartier. Vous avez un cannabino, vous avez une image où il y a criminalité. Jusqu'à avoir le courage. Vous avez un cannabino, vous avez un cannabino. Tango azoute sa ke na landa kie kalubi ke no batu bayaki na mandupi bakanga ki bango. So ki ye azoute kamboka na fazu wana ke batu balanda ki mukonzi ya mboka pona kuyamba mukonzi ya mboka kwa uta aeroporti na stade ba mususu bazaki na manduki na maboko eke bakanga ki batu wana il faut ba interpele ye. So ki ba interpele ye te biso bakolo Sankuru tokutuna ye tango akuzonga na Sankuru apesa biso bakombo ya batu wana o balinga ki ba intenter la vie à chef de l'État. A couper sa bise au Kumbu ya Batouana. Nous gardons des images, nous gardons des émissions. Et ça, manière où Bazo te kambo kanabiso mabe, Sankuru, et ça, le lien qui Bazo te kelayangote, et pas Bato Bazo luka leadership. Or, ce que le leadership est en Boka, Baluka kayangote, qu'il faut que te kamabe mboka wana. Oui, au gouverner banane. Ce qui est le loba, il y a Aza député, Tofote, Naloj, Aza député. Ce que Aza député à banane, Aza député à Sankuru.
à sa députée à secteur naïté, à sa députée. Ce qui n'a mon nom, député national élu du Sankuru, Biloko Nengwane Zobima. Est-ce que vraiment nous, peuple, qui avons élu un tel député, nous pouvons refaire encore notre confiance à celui-là? Non, il y a un problème sérieux. Si un député ne sait pas couper sa valeur, Namboka ou EPC mandat, à couper ses sous-valeurs et pas un ami. Donc, le rôle avec Bimisi vérité, c'est le rôle avec ses valeurs. Madame, nous avons besoin de cette vérité-là jusqu'au fond. Tout ce qui est la vérité, ce qui est solo, il faut que nous ayons été en souk pour que les délinquants ne soient pas sanctionnés. Maître Amalo, quand tu es au chef de l'État, Mataki, tu es le chef de l'État, tu es le chef de l'État. Pourquoi vous avez dit que 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 vous avez ils ont crevaison, ils ont panne. C'est au monde, je dis, je parle même pas de l'Afrique. C'est pas la première fois. Et que qui cause la question d'actualité, c'est pour penser à un malheur que Sankuru n'a qu'au bien le chef de l'État. Ils appellent modèle Balaki si chef que tindela biso mutu ka malamu ou ya yomoko evandawa pour que tout yambaka yo tango kuya. C'est aussi un message, mais ça ne peut pas faire objet il y a discrédit à chef de l'État, hein. Il a même dit, tu as entendu dans son discours, que Alobaki Navatoke, non, je porte votre sang. Il porte notre sang, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je ne vois pas comment on peut intenter le chef de l'État suite à Moutouka, parce que Moutouka Ango est là qui, une jeep, il y a vice-premier ministre intérieur. Vous comprenez? Au moment où Yemoka Bandiko circulait Nango, il n'y avait pas un problème. Je ne pouvais pas attendre que non, Moutouka Yako tombe en panne quelques jours. Mais pourquoi la province n'a pas de sang? Makabweze Bilete, province n'a pas de vous savez, quand le chef est arrivé à Kananga, hein, il a connu des problèmes aussi à Kananga. Le chef est arrivé même vers chez lui dans son village natal, à Mujimaï. Personne n'a amené les images à village naïe. Mais les locaux qui sont en cours de l'image et sali, toile. C'est-à-dire que Sankuru. Et la province, moi, ils ont la valeur mingi na misu ya makongole. Ça c'est évident. Mukumadi alomwe bonza na kimia. Tout le monde qui a makamongo zo continuer. Mukumadi ne représentait rien sur la paix du Sankuru. Mais madame, il faut pas citer Mukumadi. Tete toke malembe. La émission est votée koleka. Olobaki na nga maman Frida, ceux qui mutoane kei ou comment na kimia ikota na moka. Non, mais est-ce qu'on t'a dit que nous avions un problème avant lui? Avant Mukumadi, il y avait un problème. Non, Kimia Ezali. Kimia oyo na bandi kolobe Ezali que tokoti kama kambaba justice ou qui nous semble insulté. Puisque Mukumadi a continué sur la justice, n'a pas média tout le temps parlé de Mukumadi qui ne représentait absolument rien. Mais c'était votre gouverneur. Gouverneur. Madame, gouverneur, certes, Azara gouverneur, il y a Batou, mais Azara gouverneur, il y a Yimoko. C'est comme Nazoroba, député, tout peut sur mandat, mais aujourd'hui, il va exercer le mandat de député. Lobby, tu reviendras encore pour nous dire non, écoutez, malgré la finga bino na média, que vous avez bandi, vous avez coupé sur mandat. Tu peux ça? Tu peux ça? Bala de bisima solo amboka akoza no mo estre o ya metre amalokeka hein e bomo to kutana na sima masolo ya mboka masolo ya mboka si il veut laisser le Sankuru sous le contrôle de Mukumadi, c'est qu'il n'aime pas le Sankuru. C'est pas possible. C'est qu'il n'aime pas le Sankuru. Bandela non qui vient tête à la caméra. Si il maintient vraiment et ceux qui sont autour de lui veulent penser maintenir le Sankuru na contrôle esclavagiste. Je dis contrôle esclavagiste et Mukumadi. C'est que le président de la République n'aime pas le Sankuru. Est-ce que Boyo qui a mon bien Boyo qui te passe n'a aucun mon bien? Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. Maître Amalokeka, au même moment, on a fait une émission au Zoloba, ce qui est chef de l'État, il y a dans la province de Sankuru, et Bongi, gouverneur Stéphane Mukumadi, il y a. Mais, n'arrive pas chef de l'État. Tout le monde, c'est une population. Ils ont réclamé retour à gouverneur Stéphane Mukumadi. Point de vue, non, Isaïe. Non, ça n'était pas une population. Lequel, c'était une opinion. Il y a Bato Bapesaki, l'attitude où on a posé la question. Balobi non, Zongi Selabi So Mukumadi. Motif, ce que Sengi Otuni Mutuana, que motif aux autres, nous comme Mukumadi à Zongi Zanin, oh, Yende Yaki Kulungu Labi So Régime,
Yakala. Régime Makala Mokouba dans le Moulin. Ou bien c'est président Félix Tshisekedi. Tu vois maintenant? C'est-à-dire que l'analyse est le petit peuple le plus bas. Ou que vous écoutez que ni lire ni écrire. Son analyse est très différente par rapport à Nabissou. Pourquoi nous disons que ce n'est pas Moukoumadi qui a enlevé le régime passé? C'est le président Félix. Et que Moukoumadi, en y arrivant, c'est un produit qui a été vendu au Sankourou. Personne ne le connaissait. Personne ne le connaissait. On l'a vendu au Sankourou, le Sankourou l'a avalé, l'a acheté. Soit disant qu'il y a un de formaté, soit disant. Du début à la fin. Il y a un de formaté Moukoumadi. Du début à la fin. Donc ceux qui les lois à qui gouvernaient, Zakra Sinayo. Du début à la fin. Zakra Moutouna. Du début à la fin. Nazo répondre que du début à la fin. Tu continues à ma solution. Vous allez comprendre. C'est un produit que j'ai vendu, moi. Que ce soit chez ses électeurs, que ce soit chez la population, j'ai vendu ce produit sans lire la date d'inspiration. La date n'était pas. N'a pas qu'un produit. Mais n'attend qu'une date d'inspiration, c'est déjà périmé. Produit, on a combattu le gouverneur. Oh, wapi. Mais gouverneur, non? Mais pas tout ça, mon je dis, je parle dans le marketing, puisque Wana, c'est un langage de marketing. Oui, oui. Je ne peux pas parler qu'on a vendu la vidéo. N'a qui produit sans lire date et inspiration. Je ne savais pas que c'était déjà périmé. Mais n'a qui produit. Parce tant qu'on a qui produit, on est venu se rendre compte après que ça ne valait plus la peine pour nos batoubali à Yango. C'est déjà impossible pour la consommation. On est obligé de demander au chef de l'État de nous aider à faire partir Moukoumadi. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? C'est pourquoi j'avais dit que non. Si le chef voudrait que l'alliance Nayena Sankourou Ezala solide qui nous aide à faire partir ce monsieur, parce qu'il y a le la Montapé Sindoki, au PC Kindoki, mais il faut le bien à Montapé Sindoki. C'est comme ça que moi je disais non, c'est vrai, c'est moi qui lui ai donné la sorcellerie. Mais je suis incapable à Kolongola Yango, yo moto lekinga viens m'aider. Pour déjà modèle ya komi ko kenena kindokyo, ce n'est pas comme ça que je l'ai envoyé. Moi je l'ai pas envoyé en sorcellerie son propre père. Ah bon? Oui, na pesio kindoki, mais na tindio kindoko lo papa na hote. Na na pesio kindoki, na te kio certes, mais je t'ai pas envoyé. Mais très mal le gouverneur Stéphane Madaza ce gouverneur la binoté. Oh, c'est quoi ce joueur intérim? Au moins il est indé. Non, lui non plus, il n'est pas. Heureusement que c'est un intérim, mais là, Azan a hauteur T. N'a aucun bien T. Azan a hauteur et à cause de la gouverneur T. Oh, wapi. C'est l'intérimaire, non, c'est le ticket de Moukoumadi, non oh. Mais oui, mais c'est lui qui était le fils de Moukoumadi. C'est le ticket de Moukoumadi. Oui, oui. Il est là pour raison légale. C'est-à-dire, ils ont respecté Moubeko. Au départ du gouverneur, c'est le vice qui fait, qui gère les affaires courantes. Bissot, comme des légalistes, ont toujours soutenu le chef de l'État dans la légalité. On dit oui, pour des raisons légalistes, Atikala Nanou pour nous gérer l'affaire courante, pour que tout ça soit l'élection, gouverneur Yamalunga, Aïa Poazo Sankourou, à conduire destinée à peuple. C'est ça le seul problème. Donc, mais ça ne veut pas dire que nous avons critère et gouverneur sur le plan Nyosu, que ce soit intellectuel, charismatique, pouvoir, leadership, à Kouki, non, il n'est pas à la hauteur. Jusque-là, nous supportons pour ce que a géré l'affaire courante jusqu'aux élections. Bande ko emission masolo ya mboka batuna inga mama Frida tuna la biso maître Amal Okeka. Est-ce que vous allez candidat gouverneur? Non, je ne suis pas encore candidat. Natour ba, peut-être toujours comprendre bien. Je ne suis pas encore candidat gouverneur. Beta on a dinga la bana. Nazana nous candidate. Je le répète bien. Soke ko koma ke nazala candidat. C'est le Sankourou qui va me réclamer. Oh. Donc, population, Nazana nous candidate. Mais ce qui, ça va arriver que Nazala candidat, c'est que Sankourou ne réclame pas Nazala candidat. Mais jusque-là, Nazana nous candidate. Mais tu vois, quand nous sommes arrivés à chef de l'État, quand nous avons un terrain qui paraîtrait que la province n'a pas eu l'élection la gouvernée et la terre. Parce que le chef de l'État a jugé bon que l'intermère ou la wana loko la zalini moutete la ya l'audi à la moutou ya l'usambo à la wana pour éviter la rancune n'a pas eu mike ya leadership. Non, ça c'est une question qui ne relève pas de l'appréciation du chef de l'État. Le chef n'entre pas dans les tribalités. Chef a qu'il ne peut diriger en considérant des ethnies. Ce n'est pas ça. Le chef considère le pays au travers les capacités, les mérites des gens qui peuvent l'aider. Les amis, comme Baba Etinité. Vous comprenez? Puisqu'il n'y a pas de peuple qui existe sans conflit au monde. Il n'y a pas de peuple qui existe sans conflit au monde. Chaque peuple a un conflit
qui peut-être les allongés mokotina à Sankourou. Vous comprenez? Même chez vous, il doit y avoir des conflits. Mais c'est le roi Abinoté. C'est ce que je dis. Il y a Abinoté et l'équité. Non, et l'équité, c'est le degré de la visibilité dans Bissot. Les autres salles à cœur, Binobo qui paie Bissot. Il y a Abinoté et l'équité. Et l'équité. Pourquoi Kaka Sankourou? Sankourou, puisque vous nous aimez beaucoup. Vous vous occupez beaucoup de nous. Ce qui est bon, c'est que vous avez dit 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 que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui apprécie dans les justes mesures, il y a capacité, il y a compétence, il y a leadership, il y a moto, il y a quoi que ça ne saille pas réussir le mandat. Makambo, il y a conflit ethnique, il y a tribalité, il y a taliété. Et nous avons des personnes capables, il y a qu'on faire taire, il y a quoi qu'on a. Moi, je veux tuer les délinquants. Il y a des personnes capables de faire taire Blokwana. Pour autant que chez nous au Sankourou, il y a des enfants qui sont nés avec l'aura. Il y a qu'au gouverner Sankourou. Il y a qu'au diriger Sankourou, même si Azab Bougoumestre, Azab administrateur du territoire. Entre autres, Armal, ok, Kazana Kati. Non, moi je n'aime pas parler de moi-même. Très souvent, on a le Belapounanga à mon côté. Il faut tout n'avoir sous le Belapounanga. Mais moi je connais des jeunes qui peuvent rendre ce service très bien au chef de l'État au Sankourou. Non, je dis, je connais certains. Quand le chef aura besoin d'avoir le nom, je le donnerai. Je le donnerai. Ils sont nombreux, comme le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou. C'est parmi les jeunes qui s'est démarqué dans... Non, je te dis. Il s'appelle encore comme un Benoît Olamba, il est parmi les jeunes qui s'est démarqué. Non, je ne suis pas bien avec lui. Qui t'a dit que je suis bien avec lui? Chef de l'État à Kendaki Lobby, na Mwanda, pour la construction, ya port, ya banana. Point de final, les amis. Bon, de toute façon, c'est une idée, un projet à Malam. Mais je pense que Nambo Kalukula Yabiso, avant de favoriser ou de donner beaucoup plus de l'influence dans le commerce international, puisque pour en eau profonde de banana, il y a ouverture, il y a Congo envers le commerce international plus facilement et dans les considérations, il y a transport maritime et consorts, tout ça. Mais il y a encore un problème sérieux sur le commerce interne. Si 1,3 milliard ils ont affecté pour la construction d'un port, ils ont affecté pour favoriser le développement interne, pour faciliter le commerce interne, ne fût-ce qu'avec un chemin de fer qui prendrait tout le Congo, ça nous rendrait beaucoup plus à l'aise que d'aller d'abord nous ouvrir sur le plan international. Moi, je pense que c'est un bon projet, mais qui n'a pas été mis dans l'échelle des priorités. Parce que ceux qui m'ont conduit, n'a pas conseillé, n'a pas besoin qu'un projet ou n'a pas échelle de priorité, on devrait trouver que tout soit 1,3 milliard ouana, tout ça le chemin de fer pour que est relié Congo Mobimba, pour que Ngana banakolia pomme, où ils a trop cher awa, là banakolia ngona 200 francs, ce que zouta kasumbalesa, ce que zouta kolwezi, là banakolia pomme na moins cher, je peux manger le pondou à moins cher. Qui vient du Kasaï, qui vient du Sankourou, puisque je sais qu'à 5h du matin, le train va passer à la gare et tout le monde a accès à Biloka Koulia, à Biloka Kusumba. Le commerce intérieur, il y a un monde que même la Chine aujourd'hui s'est développée au travers le chemin de soie. La Chine n'a pas commencé par les zones économiques. La Chine a commencé par des routes pour le commerce interne. Et que nous devons avoir des modèles sur le développement. Ce qui est un élément tout avancé. Il faut qu'on ait des modèles. Je suis content, j'encourage le projet, mais ça n'a pas été mis dans l'échelle de priorité. Sinon, le pays est trop bas, il y a encore trop de choses à faire sur le montant qui est affecté pour que le pays égorge un certain développement, que prendre 1,3 milliard de dollars, le mettre pour le port en eau profonde de banana, qui prendra 2 ans, et que dans une année, si nous avons de moyens, on peut relier sur 26 provinces, on peut avoir 15 provinces reliées. Et dans la deuxième année, on peut avoir toutes les 26 provinces reliées par un chemin de fer qui prendrait maintenant la latitude de faciliter le commerce interne. On a plein de choses qui se cultivent dans l'intérieur du pays, mais dont on a la difficulté d'évacuation. Mais s'il y a déjà de gares et de trains
qui circulent, je pense qu'il y aura un problème très facile. On ne va même plus importer, puisque là, le port de Banana n'est que pour le commerce international. Mais que dirons-nous du commerce interne au pays en soi? Il n'y a pas un peuple qui se développe sans chemin. Mais un peuple ne se développe pas par de port. Ça, c'est un problème qui est logique. Je ne parlais pas que c'est mauvais, mais nous applaudissons le projet. Mais malheureusement, ceux qui ont la charge à Koutia, à projet à chef de l'État, à échelle de priorité, n'ont pas facilité au chef d'apprécier la situation dans laquelle nous vivons pour que tout fungolamboka na katikati que tout que nous fungolango par rapport à notre musulman. Voilà, on est à qui mettre arma lokeka. Azaka toujours on a pour nakopé sabino ba réponse na biyano na bino mettre arma. C'est là qu'on dégaine ton oyoki, hein, que chef de l'État zoki n'est pas na bino na Sankuru na province na bino précisément na Lodja. Et ça là qu'on dégaine. J'avais deux lectures. Azaka la lecture mibalé. Y a les bosso. C'est un chef de l'État qui se promène dans son pays. Il a le droit de visiter son pays. Sans faire quelque chose ou faire quelque chose, il est dans son pays. Deuxième lecture, c'était que le chef de l'État est comme ceux qui chantent que personne ne peut arriver sous la croix et rester le même. Il y a une chanson comme ça d'un chanteur religieux. Le chef de l'État devient comme une croix. Et personne ne peut être sous lui et rester le même. La lecture que j'avais, c'est qu'au passage du chef de l'État, il y aurait quelque chose qui va se faire au Sankuru. Ce n'est pas seulement dans le caractère matériel ou à Tonga, mais ne fût-ce que l'aspect conflit que vous êtes entré. Oui, l'aspect conflit, puisque le chef de l'État, c'est le plus sage de tous les Congolais pour l'instant. C'est le plus sorcier de tous les Congolais. C'est le plus religieux de tous les Congolais. C'est le plus de tous les Congolais. Si ces gens-là ne s'attendent pas au regard d'une certaine puissance de Bazobunda, les chefs seraient au courant pour le partager. Nazo Luba, j'ai dit si. Nalobi, si. Ce qui est Zali que Bazo Wille la richesse, le chef serait au courant. Ce qui est Zali que Bazo Wille la leadership, le chef serait au courant et devrait le conseiller. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait, le chef. Du fait qu'il n'a pas passé nuit à Lodja et qu'il est allé passer nuit à Tchoumbe, a créé encore des imaginations négatives. Là, si on a peut-être moins, on s'espère. Oui, oui, des imaginations négatives pour certains. Obazo publiait déjà un ouvrage en disant que Tchoumbe, capitale du Sankuru, oui, je te dis. Et ça crée maintenant une frustration, un contraste entre ceux qui sont du côté Lodja, Kolé, Lomela, Lusambu, qui sont venus l'attendre à Lodja, et ce qu'il avait reçu à Lusambu, à Tchoumbe, parce qu'il a reçu des gens à Lusambu au moment où tout le site territoire l'attendait, était reçu, ne fût-ce que la notabilité de son courroux l'attendait à Lodja. Donc le président a encore créé une fissure entre le fils du son courroux, parce que les villageois du son courroux réfléchissent différemment de nous. Pourquoi a-t-il laissé Lodja pour aller dormir à Lusambu, à Tchoumbe? Pourquoi a-t-il, s'il avait réellement de dormir dans un évêché ou rencontrer tous les évêques, le Sankuru a trois diocèses. Il aurait dû demander à tous les évêques de trois diocèses que rencontrez-moi à Tchoumbe. Mais pourquoi a-t-il seulement rencontré un évêque si c'était seulement le besoin de rencontrer? Donc les analyses, moi je suis sincère de dire au chef de l'État s'il va suivre que ce sont des analyses de la base. Qu'on ne vous émaille pas en vous trompant, en vous disant non, la base réfléchit de cette façon-là. Si cela était le cas, vous auriez dû rencontrer tous les trois évêques, les trois diocèses qui composent le Sankuru. Pourquoi avez-vous seulement rencontré un seul? Voilà le problème. Alors, pourquoi le service vous a seulement conduit d'aller dormir à Tchoumbe? Au moment où le Mumbaville dont vous étiez obligé d'aller visiter, ça n'était qu'une visite de passage. Vous auriez dû aller visiter et revenir dormir au lieu où on devrait vous accueillir par toute la notabilité du Sankuru, ce qui n'avait pas été le cas. Parce qu'il y a un couvent, si l'évêque devrait préparer la place pour que le président dorme, l'évêque quand lui arrive à Lodja, il dort où?
Mais maître Armand Mwenge, l'évêque a une maison qui dort à Lodja. C'est la même maison qu'on donnerait au président de la République. Comme il a souka masolo biso, au moins que chef de l'État a boya qui n'est pas là. Bon, non, le bâti qui a boya qui m'a évité qui n'est parce qu'il y avait déjà des conflits entre vous. Place où mais il est là pour résoudre le conflit. Il y a déjà un conflit en plus, Kanga qui peut battre soi-disant. Vous savez, à Mujima, il y a des conflits. À Mujima, il y a des conflits. À Kananga, il y a des conflits. Ne vous en trompez pas. Non, s'il vous plaît. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi il y a Bissou Eleki. Il y a Bissou Eleki, puisque nous ne sommes pas des hypocrites. Nous disons tout haut ce que l'on sent. Et à Kananga, il y a des conflits. À Mujima, il y a des conflits. Le président a passé une nuit là-bas. Et il n'a eu aucun problème. Il a réglé le problème tantôt la nuit. Le lendemain, le chef est parti. Il a laissé le fils de Mujima dans une paix. On peut dire hypocrite. Donc, le chef de l'État de Longoya a résolu le problème et pas la bonne santé. Non, mais je vous dis, les deux lectures ont été salies. Oh, yo, sali. Le chef devrait trouver un problème pour le Sankuru en disant au leader : je veux causer avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà ce que j'ai entendu, voilà ce que j'ai lu en vous. La lecture faite tout à l'heure pour mon accueil, vous n'êtes pas d'avis. Ensemble, qu'est-ce qui se passe? Et chacun devrait parler. S'il n'a pas le temps de le prendre ici à Kinshasa, c'était l'occasion en or pour le chef de l'État de mettre la paix à ce coin de la République qu'il attend être élu demain. Il n'a parlé ni avec la notabilité. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas vu. C'est comme un gars dans l'Andaki, la déclaration pour l'Andaki. Ngape n'a monité place à Soloy Naye. L'histoire de la trajectoire, il y a président Yibani, tout l'Andaki Ango, à Pessiba, tout le monde, Mais parce que c'est un député. Moi, je n'ai pas vu. Est-ce que vous voulez que j'accepte ce que je n'ai pas vu? Mais je dis, ce n'est pas interdit que le chef marche avec lui. C'est un élu du coin. Oui. Voilà. C'est un élu du coin. Lui qui a vu mieux les armes que tout le monde. C'est un élu du coin. Mais moi, je n'ai pas vu. Donc, moi, je dis que le chef a loupé une occasion de mettre la paix au Sankuru au moment où tout le leader, que ce soit du gouvernement, que ce soit de l'Assemblée nationale, du Sénat, était là, il devrait le rencontrer pour appeler sa bango ba ligne de conduite. Ceux qui n'ont régime passé, Bando Yokanate, n'ont régime Oyangaï, vous devez être ensemble. Voilà, moi je vous fais de ligne de conduite. Si vous ne voulez pas être ensemble, je veux vous abandonner, prendre une autre génération pour que je puisse travailler avec. Sinon, vous n'allez pas m'aider si vous êtes en conflit. Voilà une occasion que le président a loupée pour le Sankuru. Nous attendions cela aussi. Madame, ce n'est pas seulement nous construire un objet, non. Non, si le chef va vous voir comme son gouverneur, je le serai. Je ne refuse pas à guider mon peuple. Je ne refuserai jamais. Madame, vous avez pris des dossiers qui sont tellement sensibles que, Minute Sili, j'accepte que, et si là, prochainement, j'attendrai votre invitation pour que tu aies à Sili sa question. D'abord, moi je suis très content, je t'ai vu grandir dans la profession, je dis bien, et vous avez été tellement collé dans vos conseils, dans vos orientations, tant que vous avez été collé petit à petit dans ma profession. Aujourd'hui, au Vandi Sima Solo, au Komiko Bengabiso, tu as une grande dame déjà, nous en sommes très fiers de toi. Et nous ne faisons que des prières pour qu'on les bosse de plus en plus. On continue, qu'on sera toujours attentif, on va conseiller, on va orientation, va yaya, va mikolo, va zopé sayo. Ne vous dites pas qu'on souffre, qu'on les bosse, ça qu'on cocate. Maître Armand, c'est la très accessible. Maître Armand, c'est très accessible et très attentif à ma conseil. Pour comprendre que Armand Lokeka, Azali Moutimoko, est toujours bien placé pour répondre à la question. Maman Frida, Maître Armand Lokeka, tout le monde est candidat de candidat gouverné. Parce que, Mikolo, vous avez dit que vous avez intervention mingi. La population est candidat gouverneur, mais vous avez dit que
Ozana la candidate soki ocheki soki te nazana nu candidate ozana nute mais soki na koza la candidate c'est que peuple ne sengi nazala et je mérite réellement l'être la suana pe tozomo nous suspect te pour nous ocheka peuple ni poso omoni ngana za la parti politique na ROT pour na masola le to soki si amba pour na ko bisoke parti na ngi kotinda nga moi mon parti c'est le peuple. Mon parti c'est le Sankuru. Masolo ya leto soki siango awa. Merci mingi na Evelola. Merci na balandi na biso masolo ya mboka to soki siango awa. Masolo ya mboka, masolo ya mboka.